C'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, contre les murs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais inviter André. Tu crois que c'est bien? J'ai confiance en Christine. Si elle doit aimer Jurieu, ce n'est pas en les séparant que je l'en empêcherai. Alors autant qu'il se voit, qu'il s'explique. Dis donc, vieux, on pourrait peut-être orienter Geneviève sur André. Idiot, ce serait vraiment trop commode. Bon, je vais m'habiller. Tu déjeunes? Oui, je déjeune. Pour la collinière. Je ne sais pas, mais demandez-le à mon secrétaire. Dis-moi madame, la mine, c'est chiant. Je ne sais pas, mais demandez-le à madame. La vis. La vis. Enlevez ce doigt. Ce canapé. Vous comprenez quand même si la vis de ma pauvrette, c'est chiant. Oui, monsieur, évidemment. Ma petite Lisette, pose ça sur la table. Puis je vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est mon aviateur, comme tu l'appelles. Eh ben, je l'amène à la collinière. Eh bien, vous en avez des inventions. Des inventions? Oh, excuse-moi. Tu sais, tu n'es pas un idiot. Tu es un poète. Un dangereux poète.